Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Bon, si vous êtes là, c'est pour le tirage général, hein, bien évidemment. Le tirage sentimental, si vous le souhaitez, tout est déjà terminé. C'est sur ma chaîne, allez-y fouiller. Allez, c'est parti, tirage général. Allez, à tout de suite. Bon, c'est parti, tirage général pour ce mois de février 2024. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Ensuite, vous allez avoir un message de la part de vos anges qui vous dresse à la perfection, bien évidemment. Ensuite, vous allez avoir un message de l'univers qui vous connaît aussi parfaitement. Ensuite, vous allez avoir un tableau pour avoir un petit peu plus de précision avec le 77. La notice, oui, il n'y a que sur les guidances de Sandra qu'on regarde les cartes avec la notice. Tout ça pour vous expliquer que vous aussi, si vous souhaitez un oracle, n'importe lequel, s'il y a une notice, surtout n'hésitez absolument pas à l'utiliser. Et c'est pour ça que je l'utilise, pour vous montrer. Ensuite, une, deux ou trois questions au choix avec mon grimoire magique. Je vous rappelle que toutes les questions de santé, que ce soit physique ou psychologique, moi je vous envoie vers un super médium extraordinaire spécialisé pour la santé. Je parle bien évidemment de vos généralistes et de vos spécialistes de santé. Hein, oui, on ne pose pas des questions bizarroïdes, encore moins quand c'est du général. Et d'autant plus si c'est privé, hein, puisqu'on m'a fait le coup. Donc non, non, on ne se pose pas de questions bizarroïdes. Allez, c'est parti. Ça glisse pas. Allez, celle-là. Pour vous les vierges, bonjour et bienvenue à vous les vierges. Allez, quoi de neuf dans votre vie les vierges? Je me concentre, vous aussi, détendez-vous, soyez à l'aise. Allez, c'est parti. Pour les vierges, quel va être le message? Mystère divin. Alors, qu'est-ce que ça dit? Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Oui, ça s'appelle l'univers. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Hein, j'ai l'impression que tu n'es pas trop dans le moment présent. Hein. Allez, aligne-toi et sois dans le moment présent. Qu'est-ce qui vous prend là? C'est quoi? C'est le travail? C'est le stress? Quelqu'un en train de me dire l'argent? Allez, pour les vierges, quel va être le message pour ce mois de février? Février 2024. Quel va être le message, s'il te plaît? Allez, pour février. Une carte qui veut sortir du lot. On va prendre celle-là. On parle de l'aide céleste. Alors, qu'est-ce que ça dit? Demande l'aide précieuse du ciel. Potentialise votre pouvoir d'attraction. Ça, c'est vos deux premiers messages. Apparemment, vous avez un problème. Il faut demander l'aide céleste, bien évidemment, l'aide terrestre également, hein, si vous avez vraiment besoin d'aide. Et vous avez un problème de connexion ici. Prenez,
prenez pas le temps de vivre votre présent, j'ai l'impression. Bon, allez. Pour les vierges. Oui, il y a quelque chose qui vous stresse ici. Là, ça parle de vos pensées. Alors, vous pensez bien que ce n'est pas des pensées positives. Hein. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui stressait parce qu'il y avait trop d'amour alentour de soi. J'en ai marre. On m'aime, je n'en peux plus, j'étouffe. Ah non, tu es d'accord. Hein. Oui, donc c'est plutôt des pensées négatives ici. Hein. Le stress, de l'énervement. Non, je ne prends pas tout ça. Non, il ne faut pas déconner non plus. Là, ici, moi, ça me fait penser à mes intestins. Je le dis à chaque fois. Hein. Oui. C'est quand tu as les intestins qui font des vagues comme ça, qui font des bruits de flotte. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pas bon. Mais à un moment donné, il faut que ça s'évacue hein, quand même. Allez, pour les vierges qui stressent ici. Ouais, qui veulent en finir, qui veulent partir, qui veulent s'évader. Ça peut être un week-end, c'est des vacances, mais ça, c'est la carte de partir. Partir avec tout le vocabulaire qui va avec, c'est un week-end, ça peut être des vacances, ça peut être déménager, c'est se congédier, c'est quitter quelque chose. On parle de retraite ici également. Et ça, c'est la carte du postérieur. Oui, c'est la carte du cul, ici. Hein. Oui. Allez. Bon, alors, si vous avez ça, quoi dire d'autre? Ici, c'est la carte de la sexualité. Épanouie ou pas. Hein. On parle de relations sexuelles ou peut-être avoir envie de cul aussi. Hein. Oui, ben ça... Pour le mois de février, c'est sûr qu'on a peut-être envie d'un petit voyage en amoureux. Hein, ça vous stresse, voilà, petit voyage en amoureux pour du cul. Après, c'est tout dépend avec qui vous êtes accompagné. Hein. Bah oui, vous tirez ça, comment réagir? Je stresse parce que je dois partir peut-être en week-end avec mon autre qui veut peut-être du cul. Quoi? Bah, ça peut très bien être une traduction. Hein. Sinon, ici, il y a quelque chose qui stresse. Qui stresse. Vous, ici, ce que vous voulez, c'est partir, c'est vous évader. C'est sortir, justement, de cette situation de stress. Peut-être, ici, il y a une histoire de cul réellement. Ou sinon, on vous dit, oui, tu vas partir. Tu as stressé. Effectivement, ici, tu vas enfin t'épanouir. Nous avons la carte du soleil. Donc dans le tarot, tu la connais, hein, c'est une très bonne carte, le soleil dans le tarot. Ça atténue toutes les mauvaises cartes à côté. Donc oui, tu vas stresser, mais tu vas finir par arrêter. Il y a une histoire d'été peut-être, il y a quelque chose qui va se passer en été. Sinon, c'est un retour de nouveau en confiance en soi, retour à l'énergie. Retour vers le succès, le bonheur, le triomphe. Enfin voilà, tu vas briller, c'est extraordinaire. Ah ben voilà, triomphe, succès, bonheur, c'est là également. Allez, pour les vierges. Ici, on voit qu'il y a des choses qui ont été interrompues de votre part, ou pas, mais ça a été interrompu. Dans le domaine familial, ou peut-être quelque chose au niveau de la santé. On vous parle de choix. On vous parle de manque. Et ici, on parle d'un homme ou d'une femme. Alors, le manque, c'est vraiment tout le vocabulaire. Manque, c'est vraiment le vocabulaire simple. Ah oui, attends, je vais te le dire, la carte numéro 59. Bonjour aux gens du Nord. Hein. La carte numéro 59. Alors, on parle de manque, on parle de mendicité, on parle de lymphatisme, de loser, de clochard, de révérence salutaire. Donc, tu vois, quand je te parle de manque,
Après, ça peut être manque d'une date, manque d'information. Ici, il y a un homme, il y a un personnage qui est derrière. Est-ce que c'est un homme qui vous manque? Voilà, il y a quelque chose. Ici, on te parle de l'été, soit de l'été ou soit retour vers le succès. D'ailleurs, ça dit quoi, 74? On parle de l'été, on parle d'épanouissement, on parle d'éclaircie. C'est un gros éclaircissement, hein, c'est une grosse lumière. En tout cas, qui aboutit vers joie, bonheur et triomphe. Ici, on voit qu'il y a des choses qui ont été interrompues dans le domaine familial, ou alors quelque chose qui a été interrompu, qui a peut-être touché aussi au niveau de la santé, hein, ça peut être les deux, familial, santé. Ici, on dit que vous allez avoir le choix sur des manques concernant un homme ou une femme. Ici, on vous dit de faire attention. C'est le renard. Attention. Soit fais attention, ou alors tu es vraiment entouré de personnes pas très sympas, hein. Donc fais attention. Ici, forcément, tu vas pas avoir un coup de foudre vers des personnes pas très sympas. Non, ici, ça va clasher. Pour les vierges. Nous avons l'œil. Cet œil est fermé. Ça dit, soit vous vous êtes voilé la face, soit vous n'avez pas vu venir, mais du fait que vous avez joie, bonheur et triomphe, je pense qu'à un moment donné, c'est bon. Hein, vos yeux ont été grands ouverts, donc oui, tu n'as pas vu venir. Oui, tu t'es voilé la face, mais oui, tu as fait un tour chez l'ophtalmo et tu t'es acheté une bonne paire de lunettes. D'où pourquoi maintenant la crise avec les rusés, là, qui sont alentour de toi. Donc oui, tu t'es peut-être voilé la face, dans le sens où non, tu as été très certainement très gentil, tu es resté très poli, tu as laissé le temps passer, tu as peut-être regardé ce qui se passe alentour de toi, mais évidemment, hein, les personnes cons, ils font des trucs une fois, deux fois, trois fois, et comme tu dis rien, ils s'imaginent qu'ils ont la porte ouverte et qu'ils continuent, et à un moment donné, paf, ici, il y a eu l'éclair. Tu dis à un moment donné, il faut peut-être quand même que je montre le caractère de la Vierge. Ici, on parle d'une dépendance. Bah tiens, tu vois, la dépendance. La dépendance à la connerie, bah oui. Quand tu laisses faire une fois, deux fois, les gens ils disent, oh bah c'est bon, allez, on continue. Ici, on parle de dépendance, mais ça peut très bien être dépendance, drogue, médicaments, alcool. Financier également, bah oui, le fait de recevoir de l'argent tous les mois, bah, c'est comme une dépendance, hein. Sinon, ici, on peut parler de santé. Ouais, santé avec des hauts et des bas. Ici, on te parle de justice, le fait de prendre une décision. Voilà, j'ai tranché, je prends une décision peut-être concernant la santé. Sinon, ici, c'est avocat, c'est notaire, c'est prud'homme, voilà, c'est la justice. Ici, c'est les forces ténèbres, les forces du mal. On parle d'aide. Le fait d'être flou également, hein, le noir, flou, ne pas voir clair, bah avec le renard à côté, hein, c'est pas terrible. Vous allez demander de l'aide concernant la profession, pour ceux qui sont commerciaux. Sinon, demandez l'aide pour toutes les démarches. Alors, je le dis tout le temps, nous sommes tous des commerciaux, hein. Ah oui, même si c'est pas professionnel, nous avons tous de l'argent en poche. On le dépense, on en reçoit, on achète, on vend, voilà, on fait tous des déplacements également, voilà, nous sommes tous commerciaux. Ici, on vous dit, faites attention, mais de toute façon, ici, il va y avoir un pétage de plomb, hein. Oui, pétage de plomb, mais ne t'inquiète pas, il y a le soleil qui est juste à côté et triomphe à côté, donc oui, il va y avoir un pétage de plomb, mais tu vas gagner.
Oui, effectivement, ici, tu as peut-être fermé les yeux sur certaines choses, mais à un moment donné, tu te dis, faut peut-être pas prendre. Non, comment on dit, faut pas pousser mémé dans les orties. Je sais, c'est une expression de vieille, hein. Mais voilà, à un moment donné, mémé, elle prend sa canne et puis elle va t'en foutre plein la tronche. Ici, au niveau de la santé, on voit qu'il y a des hauts et des bas. Alors oui, ici, ça peut être une histoire de médecine. Oui, je sais pas pourquoi. Il parle aussi de médecin ici. Mais moi, je vois plutôt prendre une décision tranchante ou alors. Donc, on parle de justice, d'équilibre, notaire, avocat et peut-être médecine. Oui, peut-être retrouver un équilibre ici. Ta santé, peut-être que tu as fait un pétage de plomb, oui, parce qu'au niveau de ta santé, ça va pas, et toi, tu veux retrouver un équilibre, tu voudrais que ton bonheur soit équilibre à tes emmerdes, oui, ça c'est. Ou avoir même ton bonheur soit plus en haut que les emmerdes, hein, toi, que la balance, elle. Bon, on voit pas, toi, que la balance, elle fasse comme ça. Sinon, une histoire de justice, une histoire de justice, effectivement, qui était dans le flou, qui était dans le noir. Peut-être dans le sens qu'il n'a peut-être pas fait son travail correctement, hein, c'est possible. En tout cas, ici, on demande une aide professionnelle, VRP, ou alors on demande une aide parce que justement, il y a une histoire de matériel, une histoire d'argent, voilà, dans ce sens-là. Dans le sens vertical, ici, on voit bien que vous avez des angoisses ici, vous avez des pensées négatives qui vont être atténuées par le soleil. Ça va finir par se résoudre. Qu'est-ce qui va se résoudre? Ben oui, vous êtes plutôt dans le stress parce que vous êtes mal entouré ici, hein, et ça va péter. Ah oui, avec les éclairs, là, je pense qu'à un moment donné, c'est bon, hein, vous avez laissé faire, vous avez voulu voir jusqu'où ça va, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Oui, il faut que les conneries s'arrêtent, hein, à un moment donné. Ici, on parle de sortir. Donc, tu vois, juste la carte à côté. Sortir, week-end, partir, retraite, s'évader. Encore une fois, la carte centrale, c'est bonheur, triomphe, c'est victoire sur toutes les choses dont tu t'es voilé la face, dont tu as fermé les yeux. Ouais, on va dire ça comme ça. T'as fermé les yeux, tu t'es dit, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a marqué? On parle aveuglément, se voiler la face, fermer les yeux sur ce qu'il se passe. Oui, tu t'as peut-être fermé les yeux pendant un certain temps, peut-être pour mieux voir comment les autres vont réagir. Mais bon, un con ne le changera pas. Hein. Je dis, c'est bon, j'ai la porte ouverte, allez hop, et on continue crescendo. Ici, on parle soit de cul, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ou alors tout simplement enfin de la jouissance, de l'épanouissement. Sur quoi? Sur quelque chose qui a été interrompu dans le domaine familial, quelque chose qui t'a peut-être bouffé la santé. Ici, on te dit, ça y est, tu vas avoir le choix. Le choix, c'est ce qui t'a manqué, hein, ces derniers temps. Ouais, le choix, c'est ce qui t'a manqué, ou alors il y a peut-être un homme qui te manque, ou une femme, je ne sais pas, une histoire de manque. On parle de dépendance ici. De dépendance, on parle soit d'une décision tranchante, soit de justice, de médecine ici pour quelque chose qui est flou, qui est dans le noir. On parle d'aide également. Vous avez eu besoin d'aide. On parle de don. Ce n'est pas forcément une aide matérielle, hein. C'est peut-être un. Vous avez eu besoin de douceur, de tendresse, pourquoi pas, d'être réconforté, qu'est-ce que ça dit? Don, douceur, générosité, altruisme, offrande, inconditionnelle, offrande. Donc oui, soit vous allez recevoir quelque chose, ou alors c'est peut-être tout simplement un gros câlin, un peu de douceur. Et ici, il y a quand même la carte commerciale, donc il y a quand même une histoire de matériel, d'argent, hein, quelque chose comme ça. Et oui. Allez, pour les chanceux triomphants, les vierges. Allez, c'est parti. Alors, on parle d'éclipse de lune, indique l'incertitude. Revoyez votre question et posez-la à nouveau plus tard. Allez, repose-la, peut-être différemment. Ils n'ont pas bien compris ta question. Allez, vas-y, repose.
Alors, cette fois-ci, c'est l'impératrice. Indique que la réponse vous parviendra quand vous y attendrez le moins. L'impératrice, c'est aussi celle qui a la réponse à l'intérieur de soi. Hein, c'est l'intuition. Alors, soit effectivement, ça va apparaître comme ça quand tu vas t'attendre le moins. Ou peut-être qu'on te dit également, tu connais déjà la réponse au fond de toi. Seulement si vous avez suffisamment envie, dit la voyante. Oui, c'est moi. C'est uniquement si tu as envie. Oui, parce qu'il dit la voyante. Donc, c'est moi. Si tu as envie, oui. Si tu n'as pas envie, non. Ah, encore la voyante. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous devez garder tous vos sens en alerte. Oui, fais gaffe, parce que vu que tu es accompagné de renards, oui, mets quand même tous tes sens en alerte. Les vierges, surtout n'hésitez pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, à vous abonner. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.